les amis, c'est Laser, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur The Crew 2. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là, je vais essayer de reprendre un petit peu, etc. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Tout simplement parce que j'avais pas la motivation, j'avais pas la foi, etc. J'étais un petit peu fatigué ces derniers temps. Puis j'étais aussi, on va dire, très occupé dans le sens où j'étais plus trop sur ma play. Enfin bref, là, du coup, on est sur The Crew 2 et on va tester les nouvelles courses. Donc j'ai entendu qu'il y avait des nouvelles courses sur la nouvelle saison. Bien sûr, la saison dernière, j'ai fait énormément de live pour farm sur le jeu, ce qui fait que j'ai 26 millions. Alors, les courses, elles sont là. Street Racing. Et... alors, attendez, non. On va aller là, dans Motorflix. Et c'est... ah, voilà. Donc, faut que je pense à finir celle-ci. C'est là, en saison 6, épisode 2. Ok, donc là, on a 3 courses. Une Street Race, une Hypercar et truc. Je pense qu'on va faire juste les deux là. Et plus tard, on fera les autres. Hop là, on commence par la Street Race. Alors, bien sûr, Street Race, on prend la Gallardo. On attend qu'elle charge. Elle arrive. Elle est où, elle est où, elle est où? Elle est là. Donc voilà, en Street Race, il faut toujours prendre cette voiture. Même l'acheter, achetez-la, les gars. Et améliorer-la à fond. Et c'est la plus cheatée. Hein. Et puis voilà. Alors, on m'a dit que c'est des courses sur la glace. Ça glisse beaucoup. Donc, on va voir ça ensemble, les gars. Ah oui, oui, par contre, ça... waouh, ouais, ils ont changé carrément la... une sorte... waouh, mais n'importe quoi, frère. Ah ouais, c'est stylé ce qu'ils ont fait. Donc là, en plus, on est en hiver. Ah ouais, t'es moi, ça drift, ça drift, ça drift. Aïe, 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 aïe. Alors, le son de la Lamborghini, il bug. Je sais pas pourquoi le son de l'échappement, il bug sur cette voiture. Faudrait peut-être me trouver une explication un jour. Par contre, ça... waouh, mais en fait, c'est tellement bien fait. Genre, tu peux carrément faire des drifts et tout, c'est stylé. Alors, j'ai tenté de mettre de la nitro. Alors, j'ai jamais joué, hein, par contre. J'ai jamais fait la course. Donc, je m'adapte, en fait, en live. En même temps que vous. Freine, freine. Hop là. Putain, c'est stylé, en fait. Il y a moyen de faire des tricks. Enfin, des tricks, en fait. Tu m'as compris, genre, des beaux drifts. Alors, par contre, si tu viens avec une voiture drift dans cette course-là, je peux te promettre que tu vas vivre un enfer. Faut savoir qu'en plus la Gallardo, les gars, déjà elle est cheatée dans le sens où elle colle la route, en fait, tu vois. Elle colle le bitume, elle dérape pas et tout. Mais alors là, frère, n'importe quoi. J'aurais dû prendre un autre truc pour m'amuser. Alors je vais remettre de la nitro. C'est parti, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Aïe, ça tabasse. Putain, les records mondiaux dessus, je veux bien voir ils sont à combien. À mon avis, ça doit être 1 minute 50, un truc dans le genre. Ouais, c'est comme ça. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, non, c'est nul. Et puis voilà, on est arrivé. Alors, on a fait 2 minutes 34. Ok, j'ai gagné 2 motor pass. Okay. D'ailleurs, le motor pass, il est explosé. Hein. Je l'ai vu, il est à chier. Vraiment, c'est de pire en pire, ce jeu. Alors là, les amis, on va pouvoir attaquer la deuxième course en hypercar. Donc, c'est celle-ci. On va faire voyager vers. Alors, d'abord, je regarde seulement... ah oui, donc en fait, ok. Le record du monde, il fait avec une Creator KS... Masked Leader. Ok, alors là, on est... alors, peut-être faut peut-être que je mette la première pour que ça fonctionne mieux. Et là, maintenant, bah, on va avoir un véhicule prérequis. Alors, va savoir prendre les routes tout seul. Bienvenue sur The Crew. Et puis voilà, on l'a fait en normal, hein, parce qu'en difficile et tout. Un peu la flemme de la refaire et tout. Ok, let's go. Mais en fait, je crois qu'on n'a pas les véhicules adaptés, hein, les gars. Oh non, laisse tomber, frère. La galère que c'est. En fait, je crois qu'il y a des véhicules exprès, non? Y'a pas un truc qui va faire en sorte que ça adhère mieux à la route là? T'es moi, je fais du drift là. Putain, je drift tout en... c'est stylé. Hein. C'est le même circuit que tout à l'heure, j'ai l'impression, les gars. Hein. Je sais pas vous, mais ça ressemble un peu à ce virage là. Bon, après, c'est des tours, c'est répétitif, mais je trouve c'est stylé parce qu'il y a de la glace, vous voyez. Et ça change un peu dans le sens où le jeu, bah, y a du nouveau, tu vois. C'est pas, y a des nouvelles courses et en plus, c'est tout, tu vois. Alors là, on passe dans un espèce de petit tunnel, frérot. Il a été designé par des stagiaires. Oh là là, la Bugatti qui drift. Mais c'est aberrant de voir ça, wesh. N'empêche, ce jeu, il a énormément de qualité en vrai. Il a beaucoup de défauts et beaucoup de qualité. Après, mon pilotage, les gars, il est dégueulasse. C'est normal, en ce moment, je joue que à Forza Horizon 5. Et... enfin bref, je suis pas du tout sur The Crew pour que vous compreniez. Genre, je viens juste de l'installer, tu vois. Donc, un petit peu compliqué. Alors... le petit virage, ça passe crème, crème dans la crème, let's go. Alors je pense, les gars, je vais arrêter le contenu Forza Horizon 5 parce que je vois que ça vous plaît pas du tout. C'est pas que ça vous plaît pas, mais j'ai pas une commu Forza, tu vois. Donc bah écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de faire du contenu qui vous attire. Je sais pas, ça glisse tout seul, j'aime bien en fait, faut juste lâcher l'accélérateur. Tu
tournes un peu le joystick et tout. C'est comme ça que tu apprends à gérer les certaines physiques. Genre celle du powerboat et tout. Genre powerboat. Enfin bref, vous m'avez compris tous les trucs un peu spéciaux. Bah, c'est comme ça que tu apprends à les gérer. Faut toujours lâcher l'accélérateur dans une physique ou dans une catégorie que vous connaissez pas. Comme ça, après, vous gérez avec le joystick. Et après, vous voyez selon vous comment est-ce que vous allez faire. Ouais, la course, elle est répétitive. Hein. Tu passes au même endroit. Enfin, il n'y a rien de nouveau, quoi. Je m'en compris. C'est un circuit, tu tournes. C'est ça un peu le problème. Dommage, il n'y a pas des. Je sais pas, des trucs à la Fall Guys dans le sens où tu sais, t'as un coup de poing qui sort. Tu vois, dommage. En vrai, ça aurait été cool. Mais après, les décors sont vraiment super magnifiques. Genre, je trouve les décors, ils sont en adéquation avec ses origines. Voilà, quoi. Alors, on y est. Encore une fois, faut mettre la première pour que ça fonctionne. Bye, gamin. Allez, on y va. On change de voiture. En Mitsubishi Lancer WRC 05 édition rallye. Ça fait plaisir. Ouais, tu vois. C'est l'aileron le plus moche de l'histoire. Genre, le plus inutile et le plus moche. Je vois pas en rallye. Ah, qu'est-ce que ça peut t'apporter, ça? Faudrait peut-être m'expliquer. Allez, on y va. Let's go. Ah oui, le bruit, il est horrifiant, cette voiture. Ah ouais, merde, mais oui, c'est toujours les circuits en glace. Oh. Ah, ça va, je m'en sors bien avec celle-là. Ouais, c'est mieux des fois, genre, je me tais, tu sais. Oh, le drift. Voilà, allez, on drift ici. Oh là là, mais en fait, j'ai l'impression que je suis meilleur avec ça. Mais c'est le même circuit que tout à l'heure ou pas? J'ai comme l'impression. Va falloir que je la recustome, hein. Là, ça passe plus. Hein. Putain, mais c'est vraiment des courses, je sais que je les referai jamais de ma vie. Elles sont nulles à chier, genre, y a pas d'événement. Bon, c'est beau, les décors, ils sont super beaux, je kiffe et tout, tu vois. Mais dans le sens où, t'es mort, on doit maîtriser une nouvelle... On doit s'adapter à un nouveau truc, ça, bon, ça met un peu de challenge, j'ai pas le contraire. Mais bon, voilà, tu vois. C'était mieux les Motorflix, quoi. C'était ça, hein, la saison. Non? Bref, la meilleure saison, c'était la première. Pas compliqué à comprendre. Et tout le monde est d'accord avec moi. Oh. Vas-y. Oh là 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 là. Oh là là. Incroyable, mon ami. Je crois que je suis Elufiaï. Oh, la vue intérieure de cette voiture, elle est ennuyante. Ça ressemble vachement à la course. En fait, ça va, hein. C'est un... J'ai l'impression que c'est plus facile de jouer comme ça. Alors ça, c'est une course, il faudrait que je la teste au volant. On passe dans un nouveau truc, j'ai l'impression qu'on n'est pas passé par là, si. Si, on est passé par là. En fait, c'est moi, je crois, je regarde pas assez autour de moi. C'est moi, en fait, je critique, mais... Ah là 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 là, les gars, il faut m'insulter, là. Ok, l'arrivée, elle est là. Let's go. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu sur The Crew 2, bah, dites-le-moi en commentaire et j'en ferai à la demande. Voilà, dites-moi si vous voulez des vidéos sur quoi, sur quel thème, etc. Et puis je fais. Moi, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.